assigné label, assigné localité située à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville d'Abidjan. C'est cette localité, cité balnéaire, qui permettra à de nombreux touristes, de nombreuses personnes qui effectueront le déplacement de la Côte d'Ivoire durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui permettra donc de se détendre, d'être proche de l'eau, d'être proche de la nature, une eau douce, riche en potentialités halieutiques avec son sable blanc. Assigné, c'est donc cette localité touristique qui permettra aux uns aux autres de se détendre en séjour à Abidjan, en séjour en Côte d'Ivoire de façon générale. La Coupe d'Afrique des Nations qui offrira donc à ses visiteurs d'énormes potentialités touristiques. Partir d'Abidjan pour Assigny, la cité balnéaire, a tout d'un jeu d'enfant. Les voies modernes aménagées permettent une fluidité de la circulation jusqu'à cette ville, presque segmentée en deux. Assigny, où la partie essentiellement résidentielle, et Assigny Mafia, la partie grandement ouverte aux visiteurs. Sortis des véhicules, ces visiteurs doivent ensuite emprunter des pirogues munies de moteurs qui facilite la balade autour de la lagune avant d'accoster au lieu-dit embouchure pour la suite de la journée d'évasion. Ces visiteurs peuvent alors amplement profiter de Dame Nature à travers son eau, étrange mélange de douce et d'eau salée et dont la salaison augmente en fonction de la hauteur de la marée. La vue paradisiaque de l'environnement est aussi un régal sans limite pour les yeux. En dehors de la nage, l'on peut se contenter d'une balade à cheval ou d'un tour en jet ski moyennant quelques billets de francs CFA. Mon ami, j'avais tellement peur. J'ai l'impression que ça va se renverser. Non mais ça donne quand même une sensation très forte. Regarde, je tremble même. Alors, quand le jeune il veut qu'on accélère, je ne suis pas d'accord parce que j'ai l'impression qu'on va. Ouais, j'apprécie bien Assigny. L'image même de la zone me plaît beaucoup. Quand je regarde, ça me rappelle un peu de l'Europe que je n'ai pas même encore. Assigny, nous sommes ici au niveau de l'embouchure. Vous constatez que le fleuve et l'océan se rencontrent exactement à cet endroit. Assigny, au-delà de la bouchure, ce sont aussi ses spécialités culinaires, des fruits de mer aux différentes variétés, même des spécialités propres d'ici. Les visiteurs ont de quoi remplir la panse. En tout cas, nous avons du poulet boucané, qui est notre spécialité. Et du régal du poulet au coco curry, en fait. Voilà ce qui est notre spécialité, plus l'assiette mixte, qui est toutes sortes de fruits de mer, en fait. C'est un mélange de fruits de mer, voilà qu'on appelle l'assiette mixte, en fait. Ça, c'est notre spécialité, en fait, en termes de poisson. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les habitants d'Assigny espèrent un taux de fréquentation très élevé des visiteurs. Oui, nous on conseille que non, tout est bon à Assigny ici. Voilà, il peut venir à Assigny, tout est bon, tout est déjà préparé. Bon, quand vous voyez même là, vous savez que tout est bon à Assigny. Il n'aura pas venu, on va voilà, s'amuser. Voilà, donc bon, c'est ça. Okay. Il n'aura pas venu. Nos amis n'ont pas venu beaucoup. Oui. Je leur proposais de faire quelques jours tourner, voir. Il y a des îles, ils peuvent aller visiter, voir. C'est pas seulement ici qu'il y a Assigny. Il y a aussi des îles où vous allez découvrir des petits villages entourés de l'eau. Assigny ici. Okay. Je ne suis pas ivoirien, je suis plutôt burkinabé. Voilà, et nous sommes là dans le cadre d'une formation. Et aujourd'hui, on a décidé de visiter Assigny. Et je vous assure que je pourrais recommander vraiment cette destination-là à qui veut vraiment s'amuser, quoi. Ils se disent d'ailleurs bien préparés à accueillir toute l'Afrique dans cette localité attraction. Pendant la carte, c'est comme moi je vous souhaite. Parce qu'il y a des nations qu'on ne connaît pas, on attend leur nom, quand ils vont venir, on va se retrouver ensemble, c'est là qu'on va les connaître aussi. C'est à cause de ça, moi je souhaite que toutes les nations
Donc nous vous attendons pour la CAN 2024. À la tombée de la nuit, le visiteur est généralement partagé entre passer la nuit dans les somptueuses résidences balnéaires et onéreuses ou prendre le chemin retour sur Abidjan, toujours nostalgique du fait de l'éternelle envie de revenir.